Une cinquantaine de tracteurs pour une démonstration de force des agriculteurs venus dire non au futur règlement européen sur la restauration de la nature. De l'autre côté, séparés par un cordon policier, Greta Thunberg et deux jeunes Européens pour le climat venus soutenir ce texte tellement essentiel pour la biodiversité. Restaurer la nature est indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique et la perte de biodiversité. C'est l'une des rares occasions pour les eurodéputés de choisir leur camp et d'être du bon côté de l'histoire. Encore une fois, c'est de l'utopisme. Les agriculteurs, eux, dénoncent un texte décroissant qui menacerait la souveraineté. 2030, 30% des écosystèmes européens abîmés par la pollution ou les pratiques intensives, car la biodiversité européenne est en déclin. Le vote aura lieu demain.